J'ai eu un truc que j'ai écouté en scred vraiment quand j'habitais au quartier, j'aimais bien Queen en fait, j'aimais bien Freddie Mercury, ah ouais. Mais c'était juste pas possible parce que je faisais du rap et que j'habitais dans un tiercar et que c'était vraiment le truc. Moi j'ai écouté Queen aussi, j'écoute Balavoine. Je dirais la première partie d'Assassin à Montpellier. Ouais, mais j'allais dire la même chose, bien d'armes. Parce que là on était chaud, on savait qu'il y avait Squad qui était derrière, qui matait, on savait qu'il y avait du monde, c'était plein. Là on a mis gros bordel. Date avec Dar et Lubi qui dit, peut-être Travesti Monster. Ouais, Travesti Monster, c'était bien. Run the Jewels. Moi c'est un album de Dark Ambient de Phonotech qui s'appelle Lost in Fog. C'est de la musique un peu sombre abstraite. Cette année j'ai pas eu de rencontre, par contre cette année les gens ils m'ont saoulé franchement. Moi ça va être une rencontre avec un milieu, comme je disais tout à l'heure, le milieu de la free party qui m'a fait sortir des carcans strictement. Je monte dans mon petit studio et je m'enroule un gros bégon et je rêve. Moi je me mets une musique de Dark Ambient, je prends mes boules chinoises et puis je mate la nature en fait. Les gens. La société, de la télé-réalité aux politiques en passant par les médias, tout ça. Ça implique de garder les yeux ouverts et de ne pas cracher en bloc sur la télé et de dire que c'est que de la merde. Les émotions aussi, tout ce qui s'est passé. Moi j'ai eu pas mal de décès, hein, la peine de cœur, mais bien que j'en ai pas. J'ai pas de cœur. Je peux pas en avoir. Tu parles pour moi, parce que tu sais que moi j'en ai un gros. Projet Mutant avec Ruby Maidia, un album, un livre de photos. Un live avec le fameux Morgo et l'album de avec le fameux Morgo et ma chérie. Ah, j'en ai une pour toi, la dernière que t'as faite. Ouais, moi j'en ai une plus grosse, je pense. Quand t'as débranché les deux micros d'un coup à l'avant-dernière date, t'as pris les pieds dans les câbles, t'as juste fait sauter les deux micros. Elle était pas mal, mais je suis tombé de scène au Gibus une fois. J'ai sous-estimé la largeur du Pratos, je suis arrivé en pas chassé comme ça, et là en fait en plein rap, et là bim, votre âme. Ça, pour moi c'était la plus belle connerie.